Alors aujourd'hui, on va vous faire la review de Cathy Noir. Alors on va commencer par sa boîte. En haut, on peut voir l'étoile d'araignée noire, comme sur toutes les autres boîtes. On peut voir des gribouillis, on va dire. Hein. Le logo Monster High. Ici, il y a marqué Monster High. Avec le logo de Cathy Noir. Donc voilà, un peu. Voilà, bon, c'est pas grave. On peut la foule. Après, on peut voir comme si c'était fissuré avec un 13. Et on peut voir la signature de Cathy Noir avec écrit Soxo. Donc voilà. Nous l'avons eu à Toys R Us pour 30€. Sur le côté de la boîte, on peut retrouver Monster High. Désolée pour le bruit. Je ne vais pas abîmer la boîte car en fait on en a acheté une deuxième. Et celle-là, c'est celle qu'on va pas ouvrir. Donc ici, il y a marqué Cathy Noir, fille d'un chat-garou, avec son logo. À tous mes fans. Alors après, on vous laisse mettre sur pause pour pouvoir le lire. Ici, il y a un dessin de Cathy Noir. Donc maintenant, on se retrouve pour la review. Bah, revoilà avec la sublime Cathy Noir déboxée. Alors, on va commencer par ses accessoires. Donc... elle a une brosse noire et un socle que je déteste. Ils s'en foutent, voilà. Je sais, c'est pas grave. Après, elle a un journal qui est en cuir, qui fait cuir noir, avec un 13 rose et le contour en argent avec des étoiles. Après, ici, il y a marqué ce journal appartient à Monster High Cathy Noir avec sa signature. Après, ici, il y a sa biographie. Cathy Noir à 16 ans, fille du chat-garou. Mais voilà. On va vous faire une vidéo. Et ici, il y a une petite phrase. Voilà. Voilà. Et après, un petit texte qu'on vous montrera à la fin. Alors, maintenant, on va passer à la poupée. On va passer... Et derrière, juste, il y a un crâne. Shiny, shiny. Oui, bon, ils ont compris, je crois. Je ne disais pas ça hier. Enfin, vrai. Donc premièrement, elle a des chaussures argentées, toutes fissurées, on va dire. Et en fait, elles peuvent s'ouvrir en deux. Elles peuvent s'ouvrir en deux, désolé. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer au haut de sa robe. Alors, son haut de sa robe, il est avec une petite bretelle noire. Le haut, il est en or, c'est un haut en... une bretelle avec des fissures noires et un 13 pailleté rose magenta. Ensuite, son bas de robe, alors il est composé de 4 volants, enfin 4 jupons. Le premier en tulle blanc, le second en tulle rose avec des paillettes argentées, le second en tulle rose avec des paillettes roses cette fois, et le troisième c'est du tissu rose tout simple, du tulle magenta, pardon. Ensuite, après, on a plein de petits filaments, du même tulle et du même tissu que ceux des jupons. Alors, après, on passe à son collier. Son collier, c'est un collier rose, avec des fissures. Ses bracelets, ce sont les mêmes bracelets que Merlody and Pure Sony, mais en rose et en argent. Et l'autre bracelet, c'est le même que Merlody and Pure Sony, mais en rose. Donc voilà, c'est un petit bracelet avec un gros loup. Ensuite, son maquillage. Son micro. Oui, pardon. Son micro. Alors, il est tout rose et il y a un petit crâne en haut. Et puis ici, vous avez... je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous pouvez le coincer entre les doigts de Cathy pour que ça tienne mieux. Alors, Cathy Noir a la peau noire, avec le rouge à lèvres rose, mais rose en fait, que sa peau elle est noire, et ben le rose il noircit. Son maquillage, elle a de l'argent en dessous des yeux. Ses yeux sont roses. Au-dessus de l'œil, elle a de l'argent, du violet et de l'argent pailleté. Et ses sourcils sont violets et son nez est rose. Ensuite... après, on passe à ses oreilles. Donc, le milieu de ses oreilles sont roses.
Elle a une petite boucle d'oreille en forme de 13 rose translucide, ou magenta translucide, et ici deux petits piercings, deux petits anneaux. Après sa coiffure, elle a une queue de cheval avec un enroulé pour pas voir l'élastique, et elle a deux petites mèches ici. Donc ses cheveux sont de couleur magenta rose avec des mèches très claires. Donc voilà, ça va bien ensemble. Alors voilà pour la revue de Cathy Noir. On espère qu'elle vous aura plu. Et on vous dit à plus pour de prochaines vidéos. Bye.